Astrid Delage. Vous publiez De la main d'une femme. Cette biographie romancée fait le portrait donc de votre lointaine cousine, Charlotte Corday, qui est passée à la postérité pour avoir assassiné le 13 juillet 1793 Jean-Paul Marat. C'est quoi votre sentiment a posteriori? Vous vous dites c'est une criminelle ou vous vous dites je comprends cette jeune femme et je comprends son destin? Il y a vraiment une double, deux dimensions à son acte. Il y a une dimension politique, c'est une femme qui s'est engagée avec une extrême courage. Il y a aussi la dimension sacrificielle à son acte, qui est celui, à vrai dire, que j'ai voulu le plus interroger. J'ai voulu essayer de comprendre, en fait, pourquoi ce sacrifice. À un sacrifice, il y a toujours quelque chose de plus grand, et je pense qu'elle cherchait une reconnaissance, et ce sacrifice lui a permis d'acquérir cette reconnaissance en tant que femme. Mais il y a aussi le fait qu'en tant que femme, sa vie n'avait pas d'issue, et elle était aussi dans une grande solitude.